Alter Radio. Alter Radio, en direct de Port-au-Prince, sur le 106.1 MHz FM. Sur internet alterradio.org, sur les plateformes tunein.com, zeno.fm et beaucoup d'autres. Alter Radio. Écoutez Alter Radio au téléphone aux États-Unis et en Amérique du Nord. 1-641-552-5130. En France et en Europe, 33-7-56-75-36-89. Au Brésil et en Amérique latine, 55-14-30-42. Interpresse à commercial medialternative.org. Pour recevoir notre information en temps réel, abonnez-vous à notre page facebook.com/alterpresse et suivez-nous sur twitter.com/alterpresse. Alterpresse, beaucoup plus que l'actualité, 24h sur 24 sur www.alterpresse.org. Tous les jours, toutes nouvelles sous toutes sports. Alter Sport, Journal Sport, Alter Radio, 106.1 FM, alterradio.org. Soyez les bienvenus, merci d'avoir choisi Alter Radio 106.1 et alterradio.org. Amis sportifs, faites partout, bonjour, bonsoir. C'est avec un bel plaisir, nous retrouvons une fois encore pour présentation Alter Sport, c'est le journal d'Espono, qui passait à 6h30, 10h30 la soirée, minuit et demi, 4h30, 5h30 le matin et puis midi et demi. Quand il y a l'actualité sportive, la Ligue nationale football, coup d'envoi de la 9e édition de la Coupe du Monde féminine, Australie-Nouvelle-Zélande 2023, ce jeudi à 3h du matin, entre la Nouvelle-Zélande et la Norvège. Grenadier Yo a rentré en lice samedi 22 juillet face à l'Angleterre à 5h30 dans le matin. Sélectionneur national là, français Nicolas Delépine, te fait le point sous préparation. Yo. Milieu de terrain international haïtien, Leverton Pierre, quitté USL Dunkerque pour y aller dans US Avranche. Basketball corporatif, 15e édition du championnat de la IBAC, série finale. Premier game, victoire de la Société Bank 41-53 sous Dirimega. Deuxième game, samedi 22 juillet. À l'étranger, tennis, tournoi de Wimbledon, exploit de Carlos Alcaraz, qui détrônait Juan Novak Djokovic dans la finale. Là. Cyclisme, Tour de France, néerlandais, Wout Poels remporté 15e étape. Là. Basketball NBA, Lakers retiré numéro 6, c'est Bill Russell. Là. LeBron James, Bral reprend numéro 23. Football, Lionel Messi officiellement à l'Inter Miami, un rêve devenu réalité pour copropriétaire là, David Beckham. Selon une enquête de Son, Steven Gerrard, fraîchement arrivé sous banc Al-Ittifaq en Arabie Saoudite, venu 4e entraîneur qui peut bien toucher après Diego Simeone, Pep Guardiola et Jürgen Klopp. Alter Sport, Journal Sport, Alter Radio. Li soti à 6h30 nan aswè, li passe tout à 10h30 aswè, à minuit et demi, 4h30 du matin, 5h30 du matin, et puis midi et demi. Alter Sport, toutes nouvelles sous toutes sports sous Alter Radio 106.1 FM, alterradio.org. Développement actualité sportive d'abord sur plan national, une sélection nationale football féminin qui l'an dernier ligne droite préparation ni à la Coupe du monde Australie-Nouvelle-Zélande 2023 avant un premier match samedi 22 juillet face à l'Angleterre. Délégation haïtienne nan li déjà installé li à Perth, ce qui c'est quand entraînement officiel li de la préparation qui était déroulée dans de bonnes conditions, des rencontres amicales disputées, du choix définitif des 23 joueuses et le calendrier épuisant des déplacements au premier tour de la Coupe du Monde. Sélectionneur national, la français Nicolas Delépine, te fait le point. Namiko confrère non Ernst Benji Joseph qui fait office de attaché de presse au sein de délégation haïtienne. Nous invitons au suivre. Ben, on est très content d'avoir pu avoir accès aujourd'hui, un tout petit peu plus tôt que la date officielle. Prévu demain. On est un petit peu plus dans la compétition. Je crois que quand on arrive en Australie, on s'est rapproché de la Coupe du Monde. Là, ça y est, on prend possession de notre camp de base. On a tout le décor de la Coupe du Monde et on sent que la grande compétition approche. Donc, on est un petit peu dans l'excitation et l'envie d'être déjà dans la compétition. C'est symbolique. Voilà, tout à fait. Je crois qu'on a parlé de ça avec les joueuses, de faire les choses étape par étape.
parce que ne fallait pas être prêt avant, mais bien être prêt le jour J. Donc voilà, ça monte progressivement, on est bien dans nos temps de passage. C'est arrivé ici à Percy Doyle, on a fait un petit pas de plus vers notre premier match face à l'Angleterre. Vous avez presque terminé justement la préparation pour la Coupe du Monde. Y a-t-il encore des choses à corriger ? Oui, je pense qu'il y en aura toujours. On n'est pas parfait, loin de là. Mais chaque jour, on arrive à corriger des choses et à avancer. Donc c'est le gros point positif de notre préparation, c'est que de semaine en semaine, on a vu l'équipe progresser. Il n'y a pas une semaine qui n'a pas vu de progression de l'équipe. Donc on se dit qu'il y a encore une grosse semaine avant l'Angleterre. Donc on va encore ajuster ces petites erreurs qu'on a pu faire sur les derniers entraînements, les derniers matchs amicaux pour pouvoir être prêt. Vous allez avoir une sorte de périple pour les voyages. Et vous pouvez détailler ? Oui, on est dans un groupe où les voyages sont nombreux, puisqu'on a le premier match face à l'Angleterre avec quasiment 5 heures d'avion aller et 5 heures retour. On rejoindra ensuite notre camp de base ici à Perth et on repartira à Adélaïde avec un petit peu plus de 3 heures de vol, aller et retour aussi, ça fait 6 heures. Et on jouera notre dernier match à domicile et on espère la qualification pour les 8e face au Danemark ici à Perth. C'était l'objectif du choix de ce camp de base, c'était de pouvoir jouer ce dernier match décisif presque à domicile. Et là, on est en plein cœur du mondial avec cette visite aujourd'hui, coach. Oui, on est dedans, on voit l'organisation, tout ce qu'il y a autour. Je pense que rien que tout ce qui est fait autour de l'événement met les filles dans la compétition. On voit que c'est quelque chose qui est grand, de plus en plus grand depuis qu'on est arrivé ici. Et je pense qu'on le sentira vraiment quand on rentrera dans ce stade de plus de 60 000 personnes face à l'Angleterre. Et la fédération n'a pas rechigné et en vous accordant et tout ce que vous voulez pour la préparation de l'équipe, pas vrai ? C'est ça, tout ce qu'on veut, le coach il veut toujours plus. Donc forcément, mais oui, on est dans d'excellentes conditions. Je pense qu'on est dans les conditions optimum pour la plus grande compétition planétaire. Et on a pu arriver quand on voulait, on a pu jouer les matchs qu'on voulait, faire la préparation qu'on voulait avec ce stage en Suisse, ce stage en Corée et une arrivée plus tôt que les autres équipes sur le sol australien. Donc effectivement, on a de très bonnes conditions de préparation. Et pour la liste finale des 23, c'était difficile pour vous de composer ? Oui, c'est toujours difficile parce que y a des choix de coach. Je sais que ça alimentait beaucoup de suppositions autour de l'équipe, mais c'est avant tout un choix de coach et un choix technique. Je crois qu'il faut pas se cacher. Il y a beaucoup de joueuses qui veulent venir. On avait nous aussi prévu 25 joueuses, mais le coach doit décider de qui fera partie de l'équipe et on s'est appuyé en grande partie sur des joueuses qui ont déjà participé aux éliminatoires. Voilà, c'est un petit peu ça notre maître mot. Et puis aussi les joueuses qui pouvaient équilibrer l'équipe en cas de pépin durant la compétition. Trois matchs assez difficiles face à des adversaires coriaces. Et qu'est-ce qu'on peut attendre de cette équipe haïtienne dans cette compétition, coach ? Nous, on travaille pour surprendre tout le monde. Nous, on ne va pas surprendre parce qu'on voit l'équipe tous les jours et on fait des choses vraiment très bonnes. On l'a vu face à la Corée, qui est quand même parmi les 15 meilleurs mondiales. Voilà, faire ce résultat en Corée, en faisant participer aussi beaucoup de joueuses sur le match, ça montre que notre groupe il progresse en qualité, en quantité, voilà, mais qu'on a encore du travail parce que c'était une défaite. Mais il faut s'attendre à ce qu'on soit présent dans des parties du match, dans tous les matchs, et qu'on fasse de belles surprises. Je pense que beaucoup nous voient comme une équipe qui est un petit peu plus faible, qui est en bas de classement, qui va être juste là à la Coupe du Monde pour participer à l'événement, mais non. On sera là pour gagner des matchs, on sera là pour surprendre même les plus gros. C'était précision, français Nicolas Delépine, qui s'est entraîné à la sélection nationale de football de l'Académie d'Amio, qui te répond à une question, confrère Ernst Benji Joseph. On a rappelé que Haïti va jouer la Coupe du Monde Australie-Nouvelle-Zélande 2023, sorti 20 juillet, privé 20 août, coéquipier Melchidal Dumoneyo, je vous rappelle débuter compétition dans le groupe DEA contre l'Angleterre le 22 juillet. À 5h30 le matin avant de rencontrer la République populaire de Chine le 28 juillet, 7h le matin, puis le Danemark le 1er août, la même le A, le groupe DEA. Après rappeler un match d'ouverture ce jeudi 20 juillet à 3h du matin, heure haïtienne, Nouvelle-Zélande a rencontré avec la Norvège. N'a pas rappelé que l'équipe Sao en groupe A, en compagnie des Philippines avec la Suisse, groupe B avec Australie, Canada, Nigeria, R. Groupe C, Costa Rica, Japon, Espagne, Zambie. Groupe D, République populaire Chine, Danemark, Angleterre, Haïti.
Groupe E, Pays-Bas, Portugal, États-Unis, Vietnam. Groupe F, Brésil, France, Jamaïque, Panama. Groupe G, Argentine, Italie, Afrique du Sud, Suède. Groupe H, Colombie, Allemagne, Corée du Sud, Maroc. À football transfert, le milieu de terrain haïtien Leverton Pierre, 25 ans, après qu'il ait aidé USL Dunkerque à remonter en Ligue 2. Il n'a pas fait partie de l'équipe ça. Grenadier, il a déposé valise au sein de l'US Avranche de National 1 et il est venu 8e recrue des Bleus pour ce mercato estival. Il n'a pas fait un contrat dans saison avec une deuxième année en option. Gold Cup États-Unis 2023. On a rappelé que c'est Mexique qui est champion. Il bat l'équipe Panama 1-0. La finale, je venais dimanche 16 juillet à la Sophisticated Jomla. À Inglewood, en Californie, c'est Santiago Jiménez, 88e minute de jeu, qui a marqué goal là pour l'équipe mexicaine qui permet de remporter la compétition. On a bien signalé la demi-finale, le Mexique qui a éliminé la Jamaïque 3-0, alors que États-Unis et Panama ont fait 1-1, puis 5 tirs au but à 4 en faveur de l'équipe panaméenne. Alors, qui joue un classement final là, présenté après finale là, et champion c'est le Mexique. Et qui remporte tout un chèque de 1,9 million de dollars. Deuxième, c'est Panama, vice-champion, 900 000 dollars. Troisième, c'est la Jamaïque, 200 000 dollars. Quatrième, États-Unis, 200 000 dollars. Cinquième, c'est Guatemala, 150 000 dollars. Sixième, c'est Canada, 150 000 dollars. Septième, Costa Rica, 150 000 dollars. Huitième, c'est Qatar, 150 000 dollars. On a rappelé de 9e à 16e, il y a gagné prime. Et de participation en compétition qui c'est 100 000 dollars. Nous voulons parler de 9e, c'est la Guadeloupe. 10e, c'est Honduras. 11e, la Martinique. 12e, Haïti. 13e, Trinidad Tobago. 14e, Salvador. 15e, Cuba. 16e, bon dernier, c'est la formation Saint-Kitts-et-Nevis. Son compétition est dotée de 4,6 millions de dollars. En chapitre statistique, gagné 105 goals qui marquaient. En 31 matchs qui jouaient pour moyenne de 3,39 goals par match. Classement des buteurs là, il est dominé par l'Américain Jesus Ferreira, 7 goals. Et puis par l'Américain Ismael Diaz qui marquait 4 goals. Ça veut dire que Mexique, Ligue 1 pour qu'on y ait 9 trophées en compétition. 1993, 1996, 1998, 2003, 2009, soit 2011, 2015, 2019 et puis 2023, États-Unis. Il était avec 7 trophées l'IA, trophées qu'il a remportés en 1991, 2002, 2005, 2007, 2013, 2017 et 2021. Et Canada lui-même, il a remporté Gold Cup là une seule fois, c'était en l'an 2000. Basketball corporatif pour nous clôturer l'actualité locale. La 15e édition du championnat de l'IBAC, grande finale, game 1, samedi dernier, sur les parquets du centre de formation classique CFC Ababiol. Victoire de la Société Banque, 81 à 53, au dépens de Diri Mega, donc 21 points de Watson Amboise. Deuxième game, samedi 22 juillet, Capina, souterrain CFCA. Troisième game, si possible, le samedi 29 juillet. On t'y pose, là, nous retournons, nous allons aller à l'étranger. Tout un univers radiophonique en podcast. Alter Radio. Retrouvez quotidiennement les principaux journaux, magazines et rubriques d'Alter Radio. Sur Mixcloud, Zeno.fm, TuneIn, Apple, Spotify et Google Podcasts. Alter Radio. Alter Radio, une autre idée de la radio. Mes amis docteur Georges, à pas m'tendre ces choléra qui touille Pierre, de quoi m'tendre maladie ça a été passé? Passé, madame Jean, non marché. Après choléra t'est fini disparaître pendant un bon bout de temps, il retourne à faire des gars encore. Mais comment pour nous barrer choléra, docteur Georges? Ça facile. Depuis servir à l'eau traitée pour boire et puis manger, laver mais on à l'eau avec savon, si tout les saute dans toilette avant ou manger, choléra pas besoin de route pour entrer sous la barrer bien barré. Eh bien, pas de problème. Nous tout konn bagay sa yo déjà. Konn el se youn, mais est-ce que nous fait yo? Bon, nous fait ça nous capable. C'est pas fait ça nous capable, non? Yon sel green fois compte pour choléra rentrer sou. Konn el se youn, mais c'est pour nous prendre précaution tout temps. Songez, choléra reparaît, c'est nous tout qui pou barre. C'était un message MSPP ak partenaire li yo. Haïtiens, haïtiennes, n'oubliez pas aujourd'hui de faire le geste patriotique de payer vos impôts et vos taxes.
Notre avenir de peuple libre et indépendant en dépend. Le territoire nous rassemble, le drapeau nous unit, le développement du pays passera par le paiement de nos impôts. Solidarisons-nous par l'impôt pour une autre Haïti. C'était un message de la Direction générale des impôts, DGI. Li toune, oui. Ki bo? Ki bo ou mandem? Même bo wa, tout pré ou la, bo la ria. Mandel ma 32. Delimat. Oui, nous relouvri. Delimat. Delimat Delma 32 relouvri. En pépin, pi gros, pi belle. Ak plus rayon, plus produit, plus service. Delimat apre mersi ou. Pour confiance ou place nan li. Ah, quant à ça. Et c'est pour ça, pile bon ak paquet client Delma nou yo, pas de katan pour vinn un nouveau Delimat yo. Et nous-mêmes, hey, ou quoi c'est content, nous content ouais moun nou yo. Ça fait presque 5 ans oui, depuis on t'est séparé nous Brit Soukou. C'est certain, gen pile bagay qui changé nan nous, nan vi nous, mais gen un seul engagement qui rete intact. C'est respect nous gagnons youn pou lòt ak l'amour nous pour pays nous. Sel ti peyi nou. Delimart, les meilleurs prix tous les jours. 100 jours soleil. C'est pas jouer nous pas jouer non. C'est gagner nous pas gagner grâce à plan soleil Digicel là. Composé étoile 617, on soit aller sur application My Digicel là, activer plan soleil pour 5 gouttes seulement et puis jouer chance gagner 100,000 gouttes Digicel là paye là. Si vous avez une chance pas, quand même, cher, restez bien relax. Parce que c'est 100 clients qui peuvent jouer une possibilité de gagner une belle promotion. Ça, qui peut dire 100 jours et chaque jour, avec un client qui peut sortir avec 100,000 gouttes, cap tomber directement sous compte mon cash. Qui donc 100,000 gouttes pour 100 mounes pendant 100 jours. Il y a un petit plan bien facile pour activer et des chansons en plein mot grâce à Digicel. Digicel, n'a toujours pas plus. Ministère de l'Éducation nationale, la formation professionnelle, fait tout direct à l'école. Élèves, ensemble avec parents au songer, date examen l'État année 2023 yo a organisé à Nessa. Sorti 17 pour arriver 19 juillet, examen 9e année fondamentale. Sorti 17 pour arriver 21 juillet, examen pour élèves l'école normale institutée et élèves centre éducation familiale. Sorti 31 juillet pour arriver 3 août 2023, examen fait études secondaires pour élèves classe secondaire 4 et puis examen deuxième session pour élèves décalés baccalauréat. Sorti 6 août pour arriver 1er septembre, examen pour élèves centre formation technique et professionnelle. Ministère éducation nationale et formation professionnelle comptez sous collaboration tout le monde pour examen l'état yo bien passé dans intérêt toute société. Centre de communication appliquée Sénacom. Cherche mon école de communication. Améliorer le langage ou c'est une obligation. Porte nous toujours l'ouvrir pour nous faire inscription. Nous bonnes nouvelles, c'est son vin choisi. Journaliste, multimédia, animation, présentation, radio, télé, communication française, en oratoire, journaliste sportif. Sénacom. Pour la section d'audiovisuel, on a montage vidéo, vidéographie, technique de mise en onde, photographie, graphic design. Dans Sénacom, nous avons une spéciale auto-école, non seulement yon mou ka vin chauffe. Et puis, il va te chauffer tête chat, non? Sénacom, numéro 12 rue Joule, Delma 33, à proximité de CPEL. Local du Centre Pédagogique Frères Unis. Contactez-nous au 36 26 45 44 55 40 53 18. Inscription en cours pour la nouvelle session. Sénacom, une école pratique. Sénacom, le présent de votre avenir. Yo beau. T'es quoi dit si dame ça que j'aime vivre ici dans ça. Bon, comment le faire en forme comme ça mine. En tout cas, bro, elle est moins en forme, frère. Bah, privé, non, papa. Pour qu'on soit pas capon. Monsieur. Bon, qui ça ou dit là? Ou pas informé? Ou moun qui gen viri sida, c'est tant qu'on est pote maladie qu'on est qui? Tant qu'on maladie ke, psych, tension. Et puis tout, les pi moun nan pied prend médicament. La mène vie familiale, aller l'école, ak travail normalement, oui. Crété. Régine, comment fait qu'on tout bagaille ça yo?
Terry, pété. Ou gen oublié. Et puis, moi informé en pile sous sujet. Yon moun ki gen jèm sida, ki toujours bien prend médicament ARV sans camper. Après 6 mois sous traitement, li pa ka ba yon lot moun sida nan fè sexe. C'est tankou virus la te disparèt nan san. Oh. Disparèt nan san même, ça veut dire, li pa gen encore? Li toujours gen. Mais grâce à médicament ARV, quand c'est virus qui dans celle vient tellement petit, test ak examen laboratoire pas même rive détecter. Mais faut que li toujours prend médicament ARV chaque jour et puis allo faire test là chaque 1 an. Information c'est gros causé. Pour moi depuis mon gen sida, la ville fini. Problème manque information ça fait nous faire en pile discrimination vraiment. Informe dans des timon. Yon ti kras VIH nan san égal zéro transmission. C'est un message ministère santé publique PNLS grâce à support technique Institut Panos et puis financement PEP américain à travers PEPFAR et USAID. Alter Sport, actualité sport nationale et internationale sous Alter Radio 106.1 FM, alterradio.org. Actualité sportive là pour connaître sur plan international, agence a été annoncé. International argentin Lionel Messi, 36 ans, l'a engagé le samedi en faveur du club floridien Inter Miami. Libre après 2 saisons au Paris Saint-Germain, l'ex-Barcelonais l'a engagé pour 2 saisons à Miami, côté de retrouver. Il y a un ancien coéquipier Lille dans le canon, c'est Sergio Busquets, véritable idole. Messi est donc qualifié pour y affronter le club mexicain Cruz Azul le 21 juillet prochain en Leagues Cup, une compétition organisée par la MLS et la Fédération Mexicaine de Football. Véritable idole à Barcelone, Rodel a inscrit 672 goals en 778 matchs avec 303 passes décisives. Et en prime, Léo Messi sort de 2 années contrastées au Paris Saint-Germain. Et puis selon une enquête très sérieuse de Son, il y a Steven Gerrard qui est capable de venir là, le 4e entraîneur le mieux rémunéré au monde depuis son arrivée sur le banc d'Al Ittihad, modeste formation de Saoudi pour Ligue 7e année passée. L'ancien coach d'Aston Villa aurait signé un contrat lui permettant de toucher environ 17,7 millions d'euros annuellement. Seul Diego Simeone, Atlético Madrid, Pep Guardiola, Manchester City et Jurgen Klopp, Liverpool, évoluaient dans le top, alors qu'il a évolué dans le top club européen. Gagnant mieux que Steven Gerrard n'a pas appelé. Il s'est actuel entraîneur Al Ittihad, modeste formation en Arabie Saoudite. Alter Sport, toute nouvelle sous tout sport sous Alter Radio 106.1 FM, alterradio.org. Dernière ligne droite, Journal d'Espoir, amis auditeurs cyclistes, parti dans la bonne échappée, Route Pulse. Bien posé le dimanche lors de la 15e étape du Tour de France entre les Jets et Saint-Gervais-Mont-Blanc. Le Néerlandais, parti en début d'étape, lui lâché ses derniers compagnons et y offrit le premier succès de sa carrière. Son grand tour chez les favoris Jonas Vingegaard et Tadej Pogacar ont fini dans le même temps. Le Danois lui conservait le maillot jaune de leader. Il comptait toujours 10 secondes d'avance au général sur le Slovène. La qualité du tennis au terme d'un final de 4h42 minutes qui a tenu toutes ses promesses. Carlos Alcaraz lui prend le dessus sur Novak Djokovic en 5-7, 1-6, 7-6, 6-1, 3-6, 6-4 dimanche en finale du tournoi de Wimbledon. L'Espagnol de 20 ans, numéro 1 mondial, y a du gelé de deuxième grand chelem après l'US Open 2022. Djokovic, qui a disputé sa 35e finale en tournoi de grand chelem, a subi la foudre d'un gamin sans complexe sa victoire en 5-7. Alcaraz venait donc le troisième plus jeune vainqueur à Londres dans l'ère Open après Boris Becker, Bobon Becker, 17 ans et 18 ans en 1985 et 1986, et John Borg, 20 ans en 1976. Chez la dame, c'est une performance car la tchèque Markéta Vondrousova, 24 ans, l'a remporté samedi à Wimbledon, son premier tournoi du Grand Chelem. Elle bat la Tunisienne Anne Jaber, 6e mondiale, en 2-6-4-6-4, classée 42e à la WTA. Devenez donc la première joueuse à mettre la main sur le Grand Chelem londonien en étant si mal classée. Basketball NBA, pour nous finir, la Ligue les multiplier les grandes annonces l'été dernier suite au décès de Bill Russell, parti le 31 juillet à l'âge de 88 ans. Parmi elles, il y a notamment
le retrait du numéro 6 de toutes les franchises, même si les joueurs qui portaient le 6 avant cette décision, dans le bon James, certains doivent conserver lui. Mais à l'approche du premier anniversaire de la mort de la légende des Celtics de Boston, LeBron lui prend les devants, lui annoncer que il reprend numéro 23, il va reprendre numéro ça à partir de la saison prochaine, de façon pour montrer son respect au regretté Bill Russell, joueur le plus titré de l'histoire de la Ligue. LeBron, il va retrouver donc le numéro 23 à la rentrée pour la 15e fois en 21 saisons. Alter Sport, Journal Sport, Alter Radio. Li soti à 6h30 nan aswè, li passe tout à 10h30 aswè, à minuit et demi, 4h30 du matin, 5h30 du matin, et puis midi et demi. Alter Sport, toutes nouvelles sous toutes sports, sous Alter Radio, 106.1 FM, alterradio.org. Avant nous, allez, grand titre qui domine la qualité sportive, la Super National Football, coup d'envoi de la 9e édition de la Coupe du Monde féminine, Australie-Nouvelle-Zélande 2023, ce jeudi à 3h du matin, entre la Nouvelle-Zélande et la Norvège. Donald Jairo avant de prendre l'issue samedi 22 juillet face à l'Angleterre à 5h30 du matin. Sélectionneur national la français Nicolas Delépine défait le point sous préparation. Milieu de terrain international haïtien Leverton Pierre quitté USL 24 pour y aller dans US Avranche. Basketball corporatif, 15e édition du championnat de la IBAC, série finale. Premier game, victoire de la Sogebank 81 à 53 au départ de Dirimega. Deuxième game, samedi 22 juillet, quand vous venez là. À l'étranger, tennis, tournoi de Wimbledon, exploit de Carlos Alcaraz, qui détrône Novak Djokovic en finale là. Cyclisme dans le France néerlandais, Routos, remporté 15e étape là. Basketball NBA, Lakers retiré numéro 6, Bill Bruxelles là. Le bon James Balloukan, numéro 23. Football, Lionel Messi officiellement à l'Inter Miami, un rêve devenu réalité pour copropriétaire David Beckham. Selon une enquête du Sun, Steven Gerrard, fraîchement arrivé sur le banc à l'Etihad en Arabie Saoudite, il est quatrième entraîneur qui peut bien toucher après Diego Simeone, Pep Guardiola et Jürgen Klopp. C'est sur notre salle que nous mettons en bout dans les espoirs, amis auditeurs. Nous déplorons Bill Blaise pour nous faire comme d'habitude. Merci en pile pour attention. Merci à collaborateur non Jules Sandewa qui était dans la réalisation. Hein. En micro, c'était Smith Griffon qui a écouté l'émission ça en podcast, en des radios, sur Mixcloud, sur Tuning, sur Apple, sur Spotify et Google Podcasts. Tous les jours, toutes nouvelles sous toutes sports. Alter Sport, Journal Sport, Alter Radio, 106.1 FM, alterradio.org. Alter Radio, les frais, nos affaires radio. Des fois tout qu'on détruit la vie. Ouais, je vis, je vois qu'on dit joue à mourir. Aussi à coup de combo, j'ai formé le douce, douce d'un combo de gun. In the Bible says, bagaille qui a prêté toute bagaille qui pour passer. Pour qui? Pour tuer tête ou son lâcheté. Si la vie a été compris, malheureux, pas t'as pas acheté. Check this, lyrics me vin craché. Garanti ou t'en de moi ou capable de me savrer. Ma boy, c'est tout déporté, pèque, il me lâché. Quand mes si bien prendre résième, pas que j'aime vin lâché. A mon avis, si Christ est baille souffle à vie, les hommes t'a fait top shell, bête, j'en ai un visage à vie. Mais le mettre la montre très fréquent à l'usage radis. What goes up must come down, c'est la glan fait à paradis. J'suis la vie, frère, ça le faut que tu le saches. On met ton ouvrier, médecin, les vons marchand de pistache. Ma voix dans sa guerre sociale qui dit classe. Mais t'as les contre bout, mais c'est la mort, bon type à scout. Sous Alter Radio, l'IFE, INE. Alter Radio, en direct de Port-au-Prince, sur le 106.1 MHz FM. Sur internet alterradio.org, sur les plateformes tunein.com, zeno.fm et beaucoup d'autres. Alter Radio. Écoutez Alter Radio au téléphone.
Aux États-Unis et en Amérique du Nord, 1-641-552-5130. En France et en Europe, 33-7-56-75-36-89. Au Brésil et en Amérique latine, 55-14-30-42-18-03. Retrouvez nos émissions en podcast sur Mixcloud.com et Zeno Radio. Suivez-nous sur Facebook et Twitter. Alter Radio. Alter Radio, une autre idée de la radio. La plateforme Alter Press, Alter Radio, leader de l'information utile et de la diffusion des idées en Haïti. Alter Press, depuis 2001, pionnière de l'information en ligne. Alter Radio, depuis 2015, pionnière de l'information web radio en ligne. Alterpress.org, alterradio.org. Sur les ondes 106.1 FM à Port-au-Prince. La plateforme Alter Press, Alter Radio, pour l'émergence d'une population bien informée. Bien informée. La plateforme Alter Press, Alter Radio, leader de l'information utile et de la diffusion des idées en Haïti. Les informations sur Alter Radio. Alter Radio. Alter Actualité. À la une de l'actualité internationale, guerre en Ukraine, le président sud-coréen Yoon Suk-yeol a promis samedi d'augmenter l'ampleur de son aide humanitaire et de son assistance militaire dans l'état à l'Ukraine après une rencontre avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky à Kiev. L'aide humanitaire de Séoul va augmenter à 150 millions de dollars contre 100 millions en 2022. La Corée du Sud, 9e exportateur mondial d'armes, a envoyé de l'aide humanitaire à l'Ukraine et a également vendu des chars et des obusiers à la Pologne, un allié clé de Kiev contre les forces russes. Le ministre John Kerry, envoyé spécial américain pour le climat, est en Chine jusqu'à mercredi. C'est le 3e déplacement en quelques semaines d'un haut responsable américain. Après des mois de fortes tensions, l'heure semble au dialogue entre les deux géants, avec assez peu de résultats tangibles pour le moment. En Afrique, faire le point sur l'intégration régionale du continent, c'était l'objectif d'un sommet qui s'est achevé dimanche à Nairobi, au Kenya. Plusieurs chefs d'État, des ministres et des délégués étaient rassemblés pour la 5e réunion de coordination entre l'Union africaine, les communautés économiques régionales et les mécanismes régionaux. Les présidents des Comores, du Kenya, de l'Égypte, du Sénégal, de la RDC, de Djibouti, du Gabon ou encore du Nigeria étaient présents. Si l'intégration économique sous-régionale était au cœur du programme, les questions sécuritaires se sont invitées dans les échanges. La guerre au Soudan a aussi été évoquée. Des responsables de l'armée soudanaise ont regagné Jeddah en Arabie Saoudite pour reprendre les négociations avec les paramilitaires, a indiqué samedi une source gouvernementale, au moment où la guerre entre deux généraux rivaux entre dans son 4e mois. Depuis le 15 avril, les combats entre l'armée dirigée par le général Abdel Fattah al-Burhan et les paramilitaires des forces de soutien rapide, général Mohamed Hamdan Daglo, ont fait au moins 3000 morts. Depuis le début du conflit, les habitants de Khartoum n'ont pas passé un seul jour sans que leur maison ne tremble sous les frappes aériennes, les tirs d'artillerie et les fusillades. Selon un dernier bilan de l'ONU, 1,7 million de personnes ont fui la capitale, des millions d'autres sont restés bloqués chez eux. Entre-temps, des frappes aériennes ont visé Khartoum dimanche et des combats font rage dans la région du Darfour. Dans la capitale, des avions de combat de l'armée ont ciblé des bases appartenant aux paramilitaires des forces de soutien rapide qui ont répliqué avec des armes anti-aériennes. Au Moyen-Orient, le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déclaré samedi qu'il se sentait très bien après avoir été admis à l'hôpital pour des vertiges à son bureau, indiquant qu'il avait probablement été déshydraté. Le chef du gouvernement